Qu'est-ce qui vous amène? J'ai quelque chose à vous montrer. Qu'est-ce que c'est? J'ai été tellement touché par ce que votre fils a dit l'autre soir à la réunion que je suis allé au-delà des attributions de ma charge et j'ai rédigé une nouvelle constitution pour notre association de quartier. Ça ne vous coûtera rien, bien entendu. Je l'ai conçu de telle sorte que chaque membre de la communauté ait le même pouvoir de décision en toutes circonstances. C'est là le moyen de pousser les gens à s'impliquer. C'est une excellente idée, Jim, merci. Oh non, merci à vous d'être venu à cette assemblée et d'avoir renforcé mes convictions. Eh bien... Tu parles d'un crétin? Pardon? Pourquoi? Il se pointe avec sa constitution, comme si t'étais pas capable de t'en sortir tout seul. Qu'est-ce que tu racontes? Il veut juste que la voix du peuple soit entendue. Mais tu oublies que c'est toi la voix du peuple. La vision, c'est toi qui l'as. C'est toi qui pond des idées renversantes toutes les 30 secondes. Peut-être pas toutes les 30 secondes. Si, ton esprit est comme une usine à idées. S'il te plaît, ne ferme surtout pas ton usine. C'est vrai que parfois ça chauffe comme à l'usine. Tu m'étonnes, c'est intense, c'est toi le leader de cette communauté. Tout le monde le sait, aime et respecte ce que tu fais. Ne t'inquiète pas, mon fils. Le peuple peut compter sur moi. Aujourd'hui, retour sur un concept organisationnel essentiel, le centralisme démocratique. Le concept nous vient de Lénine, et pour comprendre ce que Lénine a voulu faire, il va falloir rappeler deux ou trois éléments de contexte. En mars 1898, des militants marxistes russes forment le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, le POSDR. Le congrès s'est tenu dans la clandestinité. En effet, il ne fait alors pas bon être un révolutionnaire en Russie. L'Empire russe est alors une monarchie quasi-féodale, dirigée par un souverain tout-puissant, le tsar. Le régime tsariste réprime durement ses adversaires, et la police politique se montre particulièrement efficace dans la lutte contre les éléments révolutionnaires. Le tout jeune POSDR n'est pas épargné. Tous les membres du comité central, ainsi que de nombreux militants, vont être arrêtés dans les semaines qui suivent la fondation du parti. Alors que le POSDR n'a pas encore eu le temps d'adopter un programme ou même des statuts, son existence semble déjà en péril. C'est pour faire face à cette situation délicate que Lénine va développer ses réflexions sur les tâches du parti et sur l'organisation qu'il faut bâtir. À travers une série d'articles dans la revue L'Iskra, puis avec la fameuse brochure Que faire, Lénine expose ses idées. Il défend notamment la constitution d'un puissant parti d'avant-garde, fortement centralisé pour être capable d'agir dans la clandestinité et faire face à la répression. Au sein du POSDR, les idées de Lénine divisent. Lors du congrès de 1903, le parti se divise en deux factions. Les bolcheviks, majoritaires, adoptent les thèses de Lénine, tandis que les mencheviks, minoritaires, les refusent. Bolcheviks et mencheviks forment concrètement deux groupes concurrents, chacun se réclamant du POSDR et prétendant agir en son nom. En 1906, les bolcheviks et les mencheviks tentent d'arrêter leurs conneries. Ils se retrouvent au sein d'un même congrès à Stockholm et proclament la réunification du POSDR. Tout ça, c'est bien beau, mais comment faire cohabiter à nouveau ces deux groupes qui se sont entre-déchirés? Les divergences ne risquent-elles pas de paralyser le parti et d'entraver son action? C'est là que Lénine sort de son chapeau l'idée du centralisme démocratique. Grosso modo, l'idée c'est que le parti doit avoir un fonctionnement démocratique. Le pouvoir part de la base vers le sommet. Les responsables doivent être élus. Ce sont les échelons inférieurs qui désignent les échelons supérieurs. La ligne du parti est quant à elle fixée par ses membres lors des congrès qui permettent la critique et les débats contradictoires. Cependant, une fois les décisions prises, elles doivent être rigoureusement appliquées par tous. Les minoritaires ont pu s'exprimer et défendre leurs idées. Ils doivent maintenant accepter les décisions prises collectivement et ne pas chercher à s'opposer à leur application. De même, les décisions prises aux échelons supérieurs s'imposent aux échelons inférieurs. Les consignes du comité central, qui a la légitimité démocratique, doivent donc être suivies par les sections locales. Ce même comité central se doit de respecter les décisions du congrès. Si quelque chose ne va pas, on rectifiera le tir lors du prochain congrès, mais entre-temps, on suit la ligne qui a été fixée. Prenons un exemple concret. Fabien, Nathalie, Philippe et Jean-Luc sont à la fête de l'UMA. Ils commencent à avoir faim et décident de chercher un truc à graille. Fabien, Nathalie et Philippe ont très envie de manger des frites sur le stand du Loiret.
Mais Jean-Luc, lui, préférerait goûter au fameux cassoulet de la Vienne. Suivant les principes du centralisme démocratique, chacun peut librement exposer ses opinions et tenter de convaincre les autres. Ainsi, face à Fabien, Nathalie et Philippe, qui tous argumentent en faveur des frites, Jean-Luc se lance dans une fabuleuse déclaration d'amour à la Vienne et à son fameux cassoulet. S'ensuit un vote et les frites l'emportent par 3-1. La décision est prise, tout le monde doit alors s'y soumettre. Bon perdant, Jean-Luc s'en va manger des frites avec ses camarades. Pendant le repas, il s'abstient de toute remarque désobligeante et ne fait aucune allusion à son cher et tendre cassoulet de la Vienne. Même si elle ne lui convient pas, Jean-Luc respecte scrupuleusement la décision prise collectivement et ne cherche pas à la remettre en cause. Libre à lui, cependant, de reproposer son cassoulet quand viendra le temps de la discussion pour le prochain repas. Ainsi, le centralisme démocratique a permis de concilier la liberté de discussion et l'unité d'action. Les décisions ont été prises de manière démocratique et chacun a pu s'exprimer. Mais une fois le débat clos, tout le monde doit œuvrer dans le même sens. Évidemment, si vous figurez parmi les minoritaires, la pilule peut être difficile à avaler. Accepter une décision majoritaire n'est pas toujours chose aisée. Non seulement le groupe a fait des choix avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, mais en plus, vous êtes censé respecter ces choix qui ne sont pas les vôtres et ne pas les remettre en cause. Le militant doit être capable d'abnégation. C'est la fameuse discipline de parti, toujours essentielle quand on aborde le centralisme démocratique. La discipline de parti, ça n'envoie pas forcément du rêve. Mais rappelons qu'à cette époque, le parti était clandestin et subissait une très forte répression. La centralisation et l'esprit de discipline réclamés par Lénine ne sont pas de simples lubies autoritaires. Respectez mon autorité ! Si Lénine se montre exigeant, c'est parce que le contexte est particulièrement périlleux. Bon, faisons le point. Avec le centralisme démocratique, Lénine propose une méthode permettant, en principe, de concilier fonctionnement démocratique et unité d'action. Cependant, sur le terrain, ça ne va pas forcément bien se passer. Déjà, le rapprochement entre les mencheviks et les bolcheviks est un gros échec. Malgré le congrès de 1906, l'unité ne s'est pas concrétisée sur le terrain. Chacun s'organise et agit de son côté. En 1912, la scission définitive est actée. Le centralisme démocratique n'a donc pas suffi à faire cohabiter mencheviks et bolcheviks. Même entre eux, les bolcheviks peinent à respecter le centralisme démocratique. En octobre 1917, Lénine presse les bolcheviks de déclencher un soulèvement pour renverser le gouvernement provisoire. Le 10 octobre, un premier vote du comité central donne raison à Lénine et acte le principe d'une insurrection rapide, malgré l'opposition de Zinoviev et Kamenev. Le 16 octobre, le comité central se réunit à nouveau. Insatisfaits de la décision prise le 10, Zinoviev et Kamenev demandent et obtiennent un nouveau vote pour reporter le déclenchement de l'insurrection. Le vote donne une nouvelle fois raison à Lénine et l'insurrection est confirmée. Dépités, Zinoviev et Kamenev parlent alors à la presse. Dans une interview au journal La Novaya Gazeta, ils révèlent que le parti bolchevique a acté une insurrection prochaine et affirment leur opposition. Des minoritaires qui refusent la ligne du parti et la dénoncent publiquement, ça la fout mal, surtout quand il s'agit de cadres importants. Mais en plus, ces minoritaires balancent tout au public sur les plans d'insurrection des bolcheviks, à quelques jours seulement du déclenchement du soulèvement. Vous vous en doutez, Lénine est hors de lui et demande, en vain, l'exclusion de Kamenev et de Zinoviev. En octobre 1917, alors qu'ils sont pourtant aux portes du pouvoir, Lénine et les bolcheviks ont toujours du mal à faire respecter les règles du centralisme démocratique. Après le triomphe de la révolution d'octobre, les bolcheviks doivent affronter une difficile guerre civile. La centralisation du parti se renforce considérablement. Dans le même temps, la vie démocratique du parti est rendue difficile. On manque de cadres pour faire face aux multiples tâches et le turnover est important. De nombreux responsables ne sont plus élus par la base, mais simplement nommés par l'appareil afin de pallier à l'urgence. Bref, alors que le centralisme se renforce indéniablement, les prétentions démocratiques s'amenuisent. La fin de la guerre civile ne marque pas franchement un retour à des pratiques plus apaisées. Bien que les armées blanches aient été vaincues, les soulèvements paysans et l'insurrection des marins de Kronstadt rappellent en mars 1921 que le pouvoir des bolcheviks reste très précaire.
Les suites à donner au communisme de guerre divisent fortement le parti et des groupes oppositionnels se forment en son sein. C'est dans ce contexte que le 10e congrès du parti décide d'interdire en son sein tous les groupes et les factions. C'en est fini des tendances dans le parti. Mon garçon, vous avez adopté l'attitude la plus déplorable que j'ai jamais vue en 15 ans dans cette institution. Vous vous complaisez à enfreindre toutes les règles, à mépriser toutes les conventions. Vous n'arriverez jamais à rien, ni dans les forces armées, ni ailleurs, moi je vous le dis. Assez ironiquement, l'un des groupes visés par cette interdiction se nommait précisément le groupe Centralisme Démocratique. Cette interdiction des tendances interroge. On peut la considérer comme une attaque contre la vie démocratique du parti. En empêchant la constitution de tendance, on met à mal l'expression des différentes sensibilités et le débat d'idées. Cependant, cette interdiction des tendances peut aussi être lue comme un élément favorisant le centralisme démocratique. Les tendances rendraient permanents les conflits au sein du parti et gêneraient l'unité d'action. Leur interdiction permettrait un fonctionnement plus serein. Alors, l'interdiction des tendances a-t-elle mis à mal le centralisme démocratique ou a-t-elle été au contraire une tentative de le renforcer ? On vous laissera trancher la question en commentaire. N'oubliez cependant pas de vous abonner avant d'aller vous taper dessus. Les difficultés rencontrées en Russie n'empêchent pas le centralisme démocratique de s'exporter. En 1920, le 2e congrès du Comintern avait fixé les fameuses 21 conditions d'admission à l'Internationale communiste. Les partis qui souhaitaient adhérer à la nouvelle Internationale communiste étaient tenus de les respecter. Justement, la condition numéro 12 impose aux partis membres la pratique du centralisme démocratique. Dès lors, le centralisme démocratique est adopté comme règle de fonctionnement par les nouveaux partis communistes qui se forment partout dans le monde. Le centralisme démocratique devient un marqueur essentiel de l'identité des partis communistes. Après la mort de Lénine en 1924, sa pensée est rapidement mise sur un piédestal. Le centralisme démocratique est alors érigé comme le principe fondamental du léninisme en matière organisationnelle. Dans le même temps, Staline étend son pouvoir sur l'appareil et réprime toute opposition au sein du parti. La bureaucratisation du parti s'accentue encore davantage. Il n'y a plus de débat contradictoire au sein du parti, le centralisme a largement pris le pas sur la démocratie. Le contrôle stalinien se renforce aussi sur les autres partis communistes. Les oppositions internes sont muselées et les récalcitrants sont exclus. Les partis communistes n'ont qu'une marge de manœuvre limitée et doivent accepter sans broncher les nombreux revirements de la politique stalinienne. Là aussi, la vie démocratique s'amenuise. Il y a donc un paradoxe. Alors que le centralisme démocratique est érigé en principe phare du léninisme, il n'est pas vraiment appliqué dans les faits. Le centralisme démocratique devient une règle purement formelle. C'est une règle que l'on rappelle volontiers lorsqu'il s'agit de discipliner les troupes et d'étouffer toute contestation interne. Mais c'est aussi une règle qu'on se plaît à ignorer dès lors qu'il s'agit de mettre en œuvre son volet démocratique. Écoutez, si vous n'êtes pas content, vous pouvez prendre la porte vous aussi. Tiens, je vais me gêner, ouais. Ou l'autre. C'était un cours sur la liberté aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça. L'autre paradoxe, c'est d'avoir fait d'une règle de circonstance un principe général. Lorsque Lénine propose le centralisme démocratique, c'est pour répondre à un défi particulier, la réconciliation avec les Mensheviks. Il faut trouver une règle pour faire cohabiter les deux courants qui se sont entre-déchirés. T'es vraiment con, toi, de m'agresser comme ça, la merde ! T'as commencé avec toutes tes conneries. Putain, tu fais chier ! Vous croyez où aussi, alors ? Et lorsqu'il est demandé au nouveau parti communiste d'adopter à leur tour le centralisme démocratique, cela est justifié par le contexte de guerre civile acharnée. C'est encore le contexte de guerre civile qui sera invoqué pour justifier l'interdiction des tendances en 1921. En fait, comme souvent, les préconisations de Lénine répondent à un contexte précis. Le fait de transformer des règles de circonstance en un principe universel applicable partout et à tout moment, n'est-ce pas une extrapolation un peu hasardeuse ? Alors, que penser du centralisme démocratique ? Est-ce une méthode antidémocratique par nature, ou s'agit-il juste d'une bonne idée souvent mal mise en œuvre ? Doit-on l'ériger en principe universel, ou faut-il considérer qu'il s'agit juste d'une réponse particulière aux enjeux d'une époque ? Quelle que soit la réponse à apporter, il reste difficile de faire preuve d'esprit critique sur un sujet devenu un marqueur du léninisme et un élément essentiel de l'identité communiste.
Ainsi, bien qu'infatigable lorsqu'il s'agit de dénoncer la bureaucratisation et la disparition de la démocratie dans le parti, Trotsky ne rejette pas le principe du centralisme démocratique. Tout au plus, Trotsky concède-t-il qu'il n'existe pas de formule définitive pour le centralisme démocratique. Suivant les pays et les contextes, le centralisme démocratique pourrait prendre des formes différentes. Trotsky reviendra aussi sur l'interdiction des factions, décidée en 1921. Il expliquera que cette règle était liée à un contexte précis et qu'elle n'avait pas à être érigée en principe absolu. Le contraire aurait été étonnant. Trotsky fera par ailleurs un distinguo entre les tendances provisoires, qui ne poseraient pas problème, et les fractions, qui sont elles déjà un peu plus gênantes. Bref, vous l'aurez compris, Trotsky assouplit le cadre du centralisme démocratique, mais il ne le remet pas frontalement en cause. Du côté du PCF, on aura également du mal à tirer un trait sur le centralisme démocratique. Pourtant, la déstalinisation puis l'eurocommunisme incitent le parti à rompre avec les méthodes du passé. Dès 1964, Georges Marchais déclare que le parti a trop privilégié le centralisme et affirme qu'il faut désormais mettre davantage l'accent sur la démocratie dans la vie intérieure du parti. Le parti s'ouvre progressivement et fait évoluer ses pratiques internes. Néanmoins, alors qu'il abandonne les références à la dictature du prolétariat et au marxisme-léninisme dans la seconde partie des années 70, le Parti communiste français restera attaché au concept de centralisme démocratique jusqu'en 1994. À cette date, le PCF acte alors l'abandon du centralisme démocratique. Dans un texte adopté lors de son 28e congrès, le PC souligne les apports du centralisme démocratique qui a permis d'échapper au piège des conflits entre tendances. Cependant, le PC déclare dans le même temps que le centralisme démocratique correspondait à des conceptions du combat révolutionnaire aujourd'hui dépassées. Il exprime aussi des regrets sur le fait que, en raison de l'application du centralisme démocratique, des militants communistes sincères aient été exclus et combattus pour un simple désaccord avec la ligne du parti. En résumé, pour traiter la question du centralisme démocratique, le PCF a pris son temps, bien plus qu'il ne l'a fait pour d'autres concepts phares. Et si des regrets ont été exprimés, cet abandon ne signifie pas un reniement total. Le centralisme démocratique n'est pas rejeté en tant que tel, mais simplement jugé comme relevant de conceptions dépassées. Et son héritage est en partie revendiqué, notamment sur l'interdiction des tendances. Comme Trotsky en son temps, le PCF a finalement lui aussi eu du mal à se détacher pleinement d'un concept aussi fortement ancré dans l'identité communiste. Attention toutefois à ne pas limiter les questionnements sur le centralisme démocratique aux seuls héritiers du léninisme. Marx et Engels soulignaient déjà à leur époque l'importance de la centralisation. Les partis socialistes et sociaux-démocrates n'ont pas non plus attendu Lénine pour inculquer à leurs membres les vertus de la discipline. Les parlementaires du SPD allemand étaient soumis à la discipline de vote. Après avoir pris le temps de débattre en interne sur l'attitude à adopter, tous les membres du groupe parlementaire étaient tenus de voter à l'identique. Lénine n'a pas eu besoin de regarder bien loin pour imaginer son centralisme démocratique. Côté français, la tendance au centralisme et à la discipline de parti ne sont pas non plus des idées neuves. Avant Lénine, la discipline de parti légendaire des militants guildistes, tout comme les velléités centralisatrices des blanquistes, avaient déjà préparé le terrain. Même les anarchistes ne sont pas totalement vaccinés contre les dynamiques centralisatrices. Ainsi, malgré un attachement déclaré au fédéralisme, la fameuse plateforme de Makhno et Archinov semble quand même pas mal lorgnée du côté du centralisme démocratique à coup d'unité tactique et de responsabilité collective. En fait, même si le centralisme démocratique semble avoir perdu de sa superbe, les questions qu'il soulève restent d'actualité. Comment concilier fonctionnement démocratique et efficacité? Comment laisser toute sa place au débat contradictoire tout en évitant le piège de la division et en garantissant l'unité dans l'action? Quel niveau de discipline attendre du militant par rapport au groupe? Il y a ici des éléments de réflexion qui concernent l'ensemble des organisations et des militants, bien au-delà des seuls léninistes. Bon, vous pouvez en débattre en congrès dans les commentaires, mais quand même la consigne du comité central, c'est abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, mettez la cloche. Allez, bisous !